Le groupe de théâtre équato-guinéen Bokamandia célèbre ses 10 ans. Une célébration qui coïncide avec la journée internationale du théâtre qui se déroule le 27 mars de chaque année. Et pour cette occasion, il a été présenté une œuvre du dramaturge équato-guinéen Maximiliano Nkogo, intitulée « Prix et commerce ». La pièce théâtrale aborde le thème de la corruption, des détournements de fonds et des pertes de valeurs morales. Parfois, les acteurs utilisent le théâtre pour montrer ce qui se passe dans les différentes communautés. Et le travail d'aujourd'hui, c'est une photo de la réalité sociale de la République de la Guinée équatoriale. Présent sur les scènes de la Guinée équatoriale et à l'international, les acteurs de la troupe évaluent aujourd'hui le chemin parcouru. Avant, j'étais trop timide. Je ne pouvais pas regarder les gens quand j'étais sur scène. Mais 10 ans avec la troupe théâtrale Bokamandia m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses. J'ai par exemple pu surmonter mes peurs. Cette année 2015, la compagnie Bokamandia a présenté 22 œuvres à travers tout le pays. L'ouvrage « Prise et commerce » exposé le 27 mars 2015 a remporté le meilleur prix du théâtre au concours littéraire du 12 octobre 2009.